bienvenue à cette émission pilote d'aventure. Notre premier projet, on a décidé d'aller faire un tour à Labrador City. Un petit tour. On a 4 jours. Donc, on va vous montrer comment est-ce que ça peut se dérouler un aller-retour à Labrador City en 4 jours. Montréal-Baie-Comeau, c'était pas très plaisant. La pluie tombait et les distractions sont rares lorsqu'on ne peut admirer le paysage. On a placoté jusqu'à Trois-Rivières et là, André, qui travaillait de nuit la veille, a succombé au sommeil. Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone and actor of... Midi 27 et on est rentré à Québec déjà, 284 km de fait, en route vers de nouvelles aventures. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Manic 5. Voici donc le petit nid douillet où on l'a. On a passé la nuit. Dormir est un bien grand mot. Et lorsqu'on avait un sexe effroc, on a pu commencer à écouler le béton du barrage de Manic 5. Le deuxième jour de l'expédition, on a décidé de profiter de la matinée pour le visiter, ce fameux barrage. C'est gratuit! Après le petit cours théorique, suivez le guide. Direction la centrale, située sous la montagne. N'oubliez pas votre casque. Puis à l'intérieur, là, c'est immense. Il y a des gens parfois qui sont mal à l'aise dans les endroits clos. Ben ici, c'en est pas un. C'est vraiment immense, c'est plus grand qu'une cathédrale. Alors, je vous attends juste ici, à côté. Oh. Regarde, il y a un cas. Effectivement, c'est immense. Et sous nos pieds, il y a les turbines qui produisent l'électricité. Partout, des centaines d'installations électriques. Des couloirs qui n'en finissent plus, taillés à même le roc. Étape suivante, l'intérieur de la voûte principale. C'est à l'intérieur. Il fait chaud. Et cette température est maintenue à longueur d'année, même si les hivers, on le sait, sont très rigoureux à cette latitude, car le béton est sensible au gel et au dégel. Cette fois, c'est un labyrinthe.
l'intérieur du barrage nous présente de nombreuses fissures, elles ne sont qu'en surface, et toutes font état d'une vérification annuelle de leur progression. Puis, la visite terminée, c'est reparti. Direction Labrador City. Mais non sans jeter un dernier coup d'œil à ce monument gigantesque. La prochaine ville après Manic 5, c'est Fermont, à 565 km. Malgré le fait qu'elle soit en deux tiers en gravier, la route est très bien entretenue et large. Mais n'hésitez pas à faire le plein quand vous en avez l'occasion. La route est longue, mais prometteuse d'aventure. Voici les monts Gros, paysage magnifique et offrant de nombreux sentiers de marche. Il aurait fallu filmer pendant qu'on faisait les sandwichs, parce que là, les sandwichs sont ici. J'ai jamais vu autant de mouches noires de toute ma vie, jamais. C'est écœurant, j'en ai partout, on respire, tu sais. Ah, fait qu'on n'a pas le choix, là. On a roulé un peu, là. on roule les fenêtres baissées pour qu'ils sortent du truc, là. On va manger en route. On va manger en chauffant, on n'a pas le choix. Soudain, au milieu de nulle part, deux tours se dressent. Intrigués, nous sommes allés voir de plus près. Il s'agirait des installations abandonnées de la mine de Firelight. À l'arrière, une entrée a été forcée. Nous y entrons. À l'intérieur, le noir total. Le chemin de fer guidait ensuite notre route, et d'autres aventures nous attendaient à la station Queen. Qu'est-ce que c'est ça? Eric, il y a un poisson dans ses pattes! Tu te charges, toi? Non, j'ai pas de chance. Y'a l'autre malade! T'entends-tu les trains vibrer?
c'est de ça que ça a l'air, une sonne noire, une traque. Ah bon? Ah, on voit bien la fédérale encore. Plus de rain, Nasty. On passe proche de manquer de gaz. On est à environ 30 km de Fermont. Par chance, j'avais tout prévu! Alors, pendant qu'Éric va mettre du gaz dans son truck, le bouchon est tout. Moi, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air, la Taïga. Et monsieur, c'est moelleux ici. Regardez bien ça. C'est dans le mou pas mal. Alors, c'est de la mousse. Et ça roule encore. Ça roule, ça. Plus nous approchions de notre but, plus la civilisation se manifestait. Voici la mine de Fermont, au mont Wright. La seule mine de fer en activité au Québec. Fermont, ville du Nord avec son mur écran d'un kilomètre de longueur et d'une vingtaine de mètres de hauteur. Il est en forme de flèche pointée vers le nord afin de protéger les maisons des vents rigoureux de l'hiver. Voici le poste de la Sûreté du Québec à Fermont. C'est une roulotte! C'est une roulotte. Incroyable. Dis que c'est nous autres qui payent ça. Une multitude de services, dont le centre de santé, l'école primaire, la polyvalente, le centre sportif, le centre commercial et 500 logements, font partie du mur. Combien se coûte le gaz à Fermont? 69,9. 2 cents à peine plus cher que Montréal. Pour tout vous avouer, nous sommes tombés sous le charme de cette petite ville minière. La tranquillité y règne et la nature est omniprésente. Et à voir ces images, on ne se croirait pas au beau milieu du Grand Nord. Mais notre but n'était pas encore atteint. Le Labrador n'était qu'à quelques kilomètres. Stupéfaction! Labrador City est une grande ville et on se croirait en banlieue. Autre surprise, on y parle presque exclusivement en anglais. Et pourtant, la seule route qui y mène passe par le Québec. Je vous explique la situation. Il mouille. On est à Fermont. On a tenté d'aller à Labrador City pour se trouver une chambre d'hôtel ou quelque part au sec. Après ça, à Wabush. Et à Wabush. Là, maintenant... On est revenu à Fermont parce qu'à Wabush puis à Labrador City, on n'arrivait pas à avoir un toit pour empêcher la pluie de tomber sur le camion. Parce que si on veut dormir dans le camion, il ne faut pas qu'il mouille trop parce que l'eau rentre dedans pareil. Fait qu'on s'est trouvé un garage municipal à Fermont qu'on avait vu. Fait qu'on est revenu, on a fait 70 km pour rien. Mais c'est pas sûr qu'on puisse rester ici à soir. Si on se fait pas pogner, on va dormir dans le truck. Si on se fait pogner, on va dormir dehors à la pluie. On n'a pas de place où rester. Les hôtels sont pleins. Les hôtels sont pleins. On est à Fermont. On n'a pas de place où rester. On n'est pas mis ici. Au menu de ce soir, tourne-dos avec escalope en patate et vin Arpent des Neiges. Dans le parking de Fermont. Dans le stationnement intérieur de Fermont. On ne sait pas ce qu'on voit en bas, c'est pas grave, on y va pas là. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women sing with. Donc, on est dans le mur. Puis ici, vous avez un exemple des résidences. Il y a du monde qui vit dans le mur. Bon, un petit peu de sérieux. Ici, on recule un peu. Donc, vous avez une photo de la ville de Fermont.
Arrête de rire, j'essaie de rester sérieux. Vous avez le mur qui est là et qui protège les résidences en arrière ici. Là. Et là, vous avez l'hôtel. Mais nous autres, on est à peu près dans ce coin-là ici, dans le centre d'achat. C'est du monde qui passe, puis... Hey, je sais, je vois les reflets dans la vitre. Les étranges. Fait que c'est ça, c'est la ville de Fermont. Ils disent que 4500 personnes, ça. Alors cette nuit, on a décidé de passer la nuit au sec. Dans le stationnement intérieur de la ville de Fermont. Le fameux mur est là, mais... Est-ce qu'on n'a pas d'allure? Non. Demain, on va pouvoir manger nos toasts au bain de pilote, on va se faire manger par les mouches noires. En plus. Ouais. Fait que là, donc, vous avez le parking de la ville de Fermont. On a réussi à se pogner une place. Là, il en restait pas mal de litres. Vous autres, vous êtes à Montréal, vous regardez la TV, vous savez pas quoi faire. Nous autres, on est à Fermont, mais on sait pas quoi faire plus. On veut dormir. On se couche. Bon, ben, bonne nuit. Et le lendemain, déjà le retour. Profitant du temps plus clément que la veille, nous avons pu filmer ce qui reste de la ville de Gagnon, c'est-à-dire rien. Située à mi-chemin entre Manic-5 et Fermont, elle a été rasée suite à la fermeture de l'exploitation de la mine de Fire Lake. Encore une fois, nous avons pu admirer le majestueux barrage Daniel Johnson pour un ultime au revoir. Barrage Manic 2, heure 5h46. Dimanche soir, le retour des hot dogs, Big 8, cola et lemon lime. On n'a même pas ça à Montréal, on a acheté ça à Bécomo. Dans un Sobeys, magasin d'alimentation. Ça vient de la Nouvelle-Écosse, imaginez-vous, blonde. Regardez-moi bien ça, pétillé dans le verre. Il y a encore bien du gaz. Voilà les hot dogs fumés à André. Alors, on est présentement sur le chemin du retour. On s'est fait à Fermont à matin, puis là, on est sur le Joe des Chênes entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine. Et on s'en retourne à la maison. Il est 10h moins 20, dimanche soir, fait qu'on ne sait pas trop ce qu'on va coucher à soir, on va voir ça tantôt. Fait qu'on continue la route, tout va bien. Lundi matin, 3h40 AM. Après 17 heures de route, nous voici maintenant rendus à la maison. On est parti de Fermont ce matin, et sans arrêt, on a soupé à Manic 2, donc finalement. Là, on est revenu à la maison et voilà, après 17 heures de route, nous voici maintenant rendus pour un bon sommeil bien mérité. 2700 km environ, en 3 jours. On a hâte de se coucher. Qu'est-ce dire de plus? La lune est belle. La lune est belle.